Bonsoir tout le monde, bon retour ou bienvenue sur cette chaîne. Je tiens, on va faire une petite recette, des gourmettes, non? Ok? Qui me suis à faire un pile monde plaisir parce que un pile monde sous chaîne ça remet l'envie. Ok? Nous allons faire une marinade avec l'envie. J'ai fait une marinade déjà depuis l'année passée, dans un mois d'août, ok? Juillet ou bien août, l'année passée. Donc là, nous allons faire une marinade avec l'envie. Okay. C'est chef Solano, qui était ancien chef hôtel Montjoli toute année 2019. Et qu'on y a là, qui Santiago, mon restaurant Santiago dans Saint-Domingue. C'est lui qui est inspiré recette ça. Donc, dédié recette ça à chef Solano. Ok? Donc, je dis à nous allons faire une marinade avec l'ami. Alors, par contre, comment les chefs Solano défait? Moi, je vais le faire à ma manière. Donc, chef Solano, Wadim, si. Petit là, ça me l'a pas. Ok? Avant, nous allons regarder ensemble les ingrédients avec matériel qu'on a besoin pour nous faire marinade là. En nous, saluer toutes les chaîne. Ok? Mon chaîne là, c'est des gens qui ont supporté la chaîne là avec financièrement. Ok? Nous avons différents plans de support sur la chaîne là. Nous avons diamants, nous avons saphir, nous avons or. Nous avons argent, nous avons super fan, et bien, nous avons choisi un plan. Nous avons remercié tout le monde qui a renouvelé le plan. Nous avons salué Guy Bondé, nous avons salué le fait de renouveler, nous avons oublié, nous avons dit la fin de la recette. Nous avons remercié tout le monde, ou même si ça est tantôt, mais si vous êtes intéressé à supporter la chaîne. Qu'à faire ça, n'a cliquez sur le bouton join qui est en bas vidéo ça ou bien n'importe vidéo qui est en bas qui n'en chaîne là. Ok, mais si on a ici, on va pouvoir option ça puisque programme join là, programme membership là, beaucoup disponible en Haïti. Ok, bon, qu'à faire ça par mon cash. Ok, si c'est en Haïti, vous pouvez voyer support là par mon cash là 36 72 25 58. Ok, mais soit à l'étranger tout. Ou bien pour nous, on peut l'autre ou pas, voulez entrer dans le programme ça à travers YouTube, ou qu'à faire, envoyer donation directement à nous, par PayPal, dans gaspardorelien@gmail.com. Ok? Mais tout de suite, ensemble, ingrédients, on a besoin pour faire marinade de bien. Mise en place a besoin pour nous faire marinade lambia. Nous pas faire en pile fois ça, n'a utilisé seulement une tasse et demi farine France, farine blanc. Là nous gagnons lambi qui tout préparé, qui cuit déjà. Bon alors, monde qui gagne petit problème à lambi yo, qui pour comprendre comment on can nettoyer lambi, tremper les picutes comme ça, nous gagne n'importe 3 recettes. Sous chaîne ça qui montre ça et puis une recette spécialement qui montre comment nettoyer l'ambi et puis tremper l'ambi à comprendre avec Zoan 6 citronon Zoan 6 et puis comment pour mettre le cuite tout d'abord sans sel. Ok, allez sous chaîne ça rejoigne recette là. On a besoin d'huile, on a besoin de moulin poivre noir, on a besoin de petit point coriandre ou bien persil si vous voulez. Si vous voyez un coriandre utilisé persil. Là nous avons environ 1 cuillère à soupe, beurre, mais comme beurre a dehors longtemps là, presque fond. Bon, là presque un beurre fondu. On a besoin d'un cuillère d'oignon en poudre, d'un cuillère d'ail en poudre, d'un demi-petit cuillère bicarbonate,
yon ti pointe piment cayenne pou bal yon ti peps pou bal yon ti piqué de piti, yon ti pointe sel, a bezwen garlic chopera pou m ka émincé feuille coriandre noir. Voilà, c'est tout ça on a besoin pour nous faire marinade lambia. Nous allons faire, nous allons préparer l'ambia. Ok, l'ambia qui cuit déjà, bien sûr. Les balles de préparation, hein? Nous allons émincer l'ambio. Ok, chaque un petit morceau, que nous allons utiliser pour marinade. Ok. Alors l'ambia ça fait presque, deux heures de temps, parce que je vais prendre 4 minutes, mais si je vais prendre 4 minutes, je vais prendre tout le temps ça, non, sous du feu, à cuire. Donc ça veut dire qu'il faut que l'ambia très tendre. Ok? Vraiment. Ouais, moi j'ai mis facile de découper, c'est parce que je cuit en pile. Vraiment pour que les nappes mangent marinade là. On prend un bon boulot bien là-dedans. Ok. Bon, on finit avec partie ça. Maintenant, allons nous occuper de notre pâte. D'abord, on va ajouter l'autre élément par sèche la dedans. Là, nous gagnons un petit puits. Nous gagnons un bicarbonate avec oignon, l'ail. Alors, on peut toujours ajouter notre épice là-dedans. Parce que, comme j'aime toujours dire, non, et puis ça, c'est une question de goût, on voit le résultat recherché ou bien de l'épice ou bien disponible. Toujours qu'on ne va pas mettre le dos. Mais pour me signaler, les oignons avec l'ail pour la majorité à la, à aider à relever le goût. Ok. On va mettre. Ah oui, on va mettre les piments avec celle-là. Ok, là il y a un petit point de piment cayenne, un petit point qui est. Et puis, avec sel. Ajouter l'eau. Ajouter le beurre. Ok. Maintenant, allons nous occuper de notre coriandre. Ok, la première c'est une deuxième fois. On t'a dit déjà. Ok. Vous mettez coriandre noir dans farine noire. Ok. Maintenant, ok, on met des poivres là.
secret pour que marinade noire vraiment bien goût dans bille. Pour que c'est pas juste le manger un petit morceau, le rencontrer un petit morceau dans bille en de marinade là pour qu'on mange une marinade dans bille. Mais pour que tout ça avec dans bille, justement, c'est jus qui était cuit dans bille. OK? Nous allons l'utiliser là, OK, pour faire marinade. Donc, tout ce qui était cuit dans bia là, c'est nous la récupérer là. Okay? Donc, il y a la dedans tout ça avec dans bia. Donc, ça qui était trempé, etc., avec différentes épices, mais bien sûr sans sel. Ça à fond l'autre bagage. Maintenant, nous allons mélanger. C'est tellement quantité liquide, ça ne gagne pas compte. On va ajouter un petit de l'eau sur lui. Mais la fin de bois, c'est l'avant. Pour nous, qui texture, qui ça le bail, pour nous connaître qui quantité de l'eau on ajoute. Ok. Normalement, on a de mettre les oreilles sur la dedans, mais malheureusement, pas les oreilles sur. Donc, on se passera de l'orange amer. Nous prenons demi tasse d'eau. On met moitié dans demi tasse d'eau là. Maintenant, si on met des plus, on a ajouté plus tout à l'heure. Certainement, on a qu'à ajouter les demi tasse d'eau et peut-être même plus. Que le pâte pour marinade là, c'est pas un pâte qui poisse lié, faut liquide liquide. Maintenant, avant d'ajouter le reste de l'eau, ça fait, on va ajouter l'ambino. Okay. Et ajouter le reste de noix, puis on continue à mélanger comme si nous voulons le sentir bon, sentant bien la montée dans l'aime là, c'est vraiment extraordinaire. C'est vrai que vous mettez de l'eau dans la bouche déjà. Okay. C'est consistant ça. Bon, maintenant on goûte pour nous, ça le vaille. Voilà. Okay. Bon, j'en goûte l'ambia. Il y a un petit piqué. Il y a besoin. Bon, bagaille. Ok. Maintenant, ça n'est pas fait là. On va le recouvrir. Ok. Pas de moment là. Avec une serviette ou bien souffler en liquide, en film alimentaire. Ok? Et puis, on va reposer là pendant entre 15 à 30 minutes. Ok? On va bien démettre le bicarbonate là-dedans. Ok? Pour le bicarbonate là, il est temps de faire effet là-dedans. Ok? On va reposer là en 10-20 minutes.
vrai. Un petit nettoyage et puis la plus nette à l'heure. Sous 20 minutes depuis la proposer là, maintenant nous mettons une chaudière chaud, la mettez l'huile d'aronia. On peut tester à quel niveau l'huile la chaud. Maintenant, il fait chouette, c'est que l'huile a beaucoup chaud assez. La petite aile, chaud toujours. La fonte est ce qu'on a bon, ouais, à quel niveau l'huile a chaud. Bon, on tire de la donne. Ah, il est chaud. Ok, et bien, on va préparer pour mettre la marinade là, la donne tout de suite. Exercice ça, comment on fait? C'est pour une cuillère. Okay, et puis on cuit comme ça et puis ensuite on va laguer dans l'huile chaude. Alors on va utiliser une deuxième cuillère pour bien laguer. Tout de suite, on a baissé du feu noir pour le bas sauter. Vérifier comment on est là, c'est pour une vidéo. On est là à suivre pour que il n'y a pas boulé dans l'air. Depuis mes sandes de météo, j'ai tant paré pour étirer. Ouais. Je vais regarder là. Même, il y a une fine cuite. Ok. On va le déposer dans une assiette qui gagne un papier absorbant sous lit. Ça au bon dos. On peut tirer tout ça crasé, Qu'est-ce que vous achetez crasé? Crasé fritaille, crasé marinade. Crasé fritaille là, c'est tout bagaille qui est dans le bac là, dans le plateau fritaille là. Qui crase, une barinade, viande, etc. Ah, ils ont fait ça deux fois déjà. Je vais oublier deux fois ça.
C'est un peu extraordinaire. On a écrasé alors une belle bout de viande que je vais mettre où tu as acheté pour 2-3 gouttes. Parce que mon sou vient à l'époque, enfin, l'époque m'a pas là, c'est 50 centimes. Je vais pas parler de fin 80, début 90. Hein. On va partir, mon deuxième tournée. Et bien pour le bébé, c'est différent encore. Et bien attendre. Bon, je suppose que vous avez compris le principe. Ok. Là, on a retiré sac bon là. C'est très simple. Ok? À tout à l'heure. C'est yon bon bagage. Mais on a mélangé à l'ambi, on va se dire qui goût li gagne. C'est très bon. Parce que l'ambi, déjà, de toute façon, c'est un fruit de mer qui est très bon. En tout cas, le bon embouchement. Donc, l'en mélange là avec marinade, et qu'on dit les soumets merveilleux. Pour moi qui est communion pour ça, pour moi qui est un petit fête, on va le faire. Suprême, invitez-nous avec marinade, avec l'ambi. Le film goûte marinade, peut-être qui ça met là-dedans. Et puis, on a dévoilé les secrets. On a voulu regarder les recettes là sous chaîne Gaspard Douillet. C'est un bagage qui est très bon. Bon, pas mal de mon côté bouteuse à passer. Prochaine fois, on a mal de mon côté. Il y a qui s'en a fait, mais qui s'en a gardé. Qui fait pas venir goûter. En tout cas, de toute façon, c'est pour moi qui est sucré là. Je vais battre un bois me danser. Vous êtes toujours goûter déjà. Pour vous. Hein? Pour mes collègues dedans, ils sont bouts de l'envie. Pas bien dit. C'est très bon. Allez, c'est elle. La bonne nouvelle. Ok? Maintenant, notre ami qui veut ouvrir les membership. Alors là, c'est le dernier monde qui veut ouvrir les membership. Rappelez nous. Vite, maman, j'aime. Ok? Pour nous courir, ça va faire. À bientôt!